Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis Albert Ilatry. Je suis né en 1945, ça fait quelque temps, dans une campagne de Saint-François, ça s'appelle Pombiré, entre les champs de canne. J'ai été élevé par mes grands-parents dans un premier temps, qui habitaient la dernière maison que j'aime bien répéter dans une case angolaise. Et par la suite, j'ai eu une chance particulière, car en fait, l'année où je devais être scolarisé, on a réalisé une école à la campagne. C'était la première école de campagne de Saint-François. Et toute ma vie scolaire a toujours été un hasard de ce type. Parce qu'après, quand je devais rentrer en sixième, comme par hasard, il y a eu un collège à Saint-François. Et quand je devais rentrer en seconde, on a créé à l'époque ce qu'on appelait la seconde mathématiques et techniques. Comme j'avais déjà opté dès l'âge de 14 ou 15 ans que je voulais me faire ingénieur, donc je fais partie de la première génération de Guadeloupéens à avoir effectivement passé le bac mathématiques et techniques. Par la suite, j'ai fait l'école Violet. Donc, je suis ingénieur électromécanicien et j'ai opté pour l'enseignement. Je suis rentré en Guadeloupe en 1971. De là, j'ai fait une carrière d'enseignant. Parallèlement, j'ai commencé à faire de la politique très sérieusement en 1988. Donc, j'ai été élu adjoint au maire à Saint-François jusqu'en 2008. Nous avons eu l'arrivée du Parti progressiste démocratique guadeloupéen, dont je suis actuellement président. Les communes de Guadeloupe ont décidé de former un syndicat. Donc c'est le seul syndicat à taille départementale qui existe sur ce territoire. Et là aussi, j'ai été élu en octobre 2007, la présidence du syndicat, dont je suis président jusqu'à aujourd'hui. Voilà, résumé mon parcours. J'ai quand même cette fierté de, je pense, avoir donné une certaine volonté et le goût de réussir aux étudiants que j'ai eus. Le mot de la fin, ce serait de dire à tout Guadeloupéen, on peut réussir. Il suffit d'avoir l'envie. Parce que c'est vrai, quand on est fils d'illettré, on n'est pas destiné à être un jour un lettré. Et pourtant, je le suis.